Petite vidéo sur le musée de Federsee. Nous sommes en Haute-Souabe en Allemagne. Donc c'est un musée qui présente des reconstitutions d'habitations de l'âge de bronze qu'on voit ici et des habitations néolithiques avec ces petites maisons de la toute fin du néolithique où on voit les belles toitures en écorce. Donc la région est très très riche en sites néolithiques. Les tourbières, les marais ont livré beaucoup de témoignages. Là, on est sur des maisons d'un village daté de 2850, donc la toute fin du néolithique. La roue a été inventée. Elle est arrivée. D'accord? Et on va voir donc ces petites maisons. Avec ça, c'est plutôt une grange où on va stocker les travois. Voilà. Et à côté, on va pouvoir rentrer dans une maison où est évoqué le travail du filage et du tissage, parce que le métier à tisser est une invention qui date comme la roue à peu près aux alentours de moins 3000. Donc dans cette petite maison, vous voyez la toiture en écorce, eh ben, on vous évoque les différentes étapes, c'est-à-dire qu'on récupère les végétaux, ça peut être du lin, du tilleul, etc. On fait rouisser, c'est-à-dire qu'on trempe. Ça macère, ensuite on fait des petites pelotes et on essaie de récupérer le fil. On en fait donc ça c'est avec fuseau et fusaïole. Et à la fin, on utilise un métier à tisser comme ça pour faire des bandes de tissu qui seront ensuite cousues pour faire les vêtements. Et en général, ce qu'on retrouve dans tout ça, ce sont des pesons qui servent à faire le contrepoids dans le métier ou alors les fusaïoles, qui sont ces petites pierres ou ces petits morceaux de céramique ronde qui servent à filer. Alors, on va sortir, on retrouve l'autre maison ici. Celle-ci présente des ustensiles de cuisine, mais elle n'est pas éclairée. Et on va sauter 1000 ans pour aller voir les maisons daté de 3900 avant Jésus-Christ. Donc là, on est plutôt vers le début du néolithique, enfin on est même en plein néolithique moyen, et on est aussi sur un village qui a été découvert dans la région. Voilà à quoi ça ressemble. Et alors ce qui est intéressant ici, c'est que dans les différentes reconstitutions qui ont été faites, on vous présente avec un même modèle de maison trois types de toitures. Vous avez là une toiture traditionnelle avec des roseaux ou des joncs qui sont positionnés sur le toit. À côté, vous avez un deuxième type de toiture qui est fait d'écorce, là aussi. On la voit mieux comme ça. D'accord? Donc c'est la même maison avec deux types de toiture. Et puis ensuite, si vous allez... Alors on va peut-être rentrer dans celle-ci. Donc, on vous évoque les activités du néolithique, que sont la préparation des argiles pour la poterie, la meule dormante pour moudre le grain et préparer la farine, les activités de pêche, le filet, de chasse avec l'arc, de piège avec la nasse. Les jarres de stockage pour les céréales. Voilà. La poterie, le foyer. Tout ce qui est sparterie et natte. Voilà. Donc, on a vu l'intérieur de la maison. On va sortir et on va voir la troisième toiture. Après, donc, celle-ci et
la toiture en écorce qu'on avait vue tout à l'heure. On a une troisième type de toiture. Au passage, les activités de préparation des pots et de tannage sont évoquées ici. Et donc, c'est une toiture plutôt faite de bois. Voilà. Comme ça, ça vous évoque les différents types de toitures. Si on fait le tour de ces maisons, donc là, on voit une vision du musée qui est un petit musée qui présente un intérêt, mais relatif. On retrouve nos maisons ici, avec les toitures dont on a parlé. Et je voulais vous parler des murs, donc en torchis, qu'on voit ici. On voit aussi tout ce qui est brêlage, c'est-à-dire tout ce qui est... on attache les morceaux de bois avec des cordes. On appelle ça le brelage. Voilà. Et s'agissant des murs, on voit ici, avec le torchis qui est un petit peu disparu, la façon dont est constitué le mur de cette maison. Voilà. Un petit musée qui est plutôt un parc d'archéologie expérimentale qu'il est intéressant de visiter si vous êtes en Haute-Souabe.